C'est aujourd'hui mercredi 29 juillet 2020 que Nicolas Sarkozy est venu dédicacer son livre « Le temps des tempêtes ». C'est sous un soleil écrasant qu'une centaine de personnes se sont accumulées devant la librairie générale cours Lamarck à Arcachon. Bonjour messieurs, vous êtes en vacances ou vous êtes venus exprès pour l'événement ? Exprès de Bordeaux pour voir monsieur le président Sarkozy. D'accord, depuis quelle heure vous attendez ? 11h15. Vous êtes patient, hein ? Oui. Vous l'avez lu son nouveau livre ? Il est là. Il est ici. Voilà, il va être dédicacé. D'accord. Donc vous êtes vraiment des fans ? Mais c'est pas trop la dédicace, moi ce que j'aime c'est le président, c'est le seul qui a des couilles. Et donc il faut qu'il revienne. C'est aussi simple. Bonjour monsieur, vous êtes dans la file d'attente pour accéder à la fameuse librairie où va arriver Nicolas Sarkozy dans quelques minutes. Vous êtes un fan inconditionnel ? Ah bah c'est-à-dire que moi je me suis encarté en 2012 à l'UMP parce que j'ai soutenu la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. J'avais 21 ans, je me suis retrouvé dans tout ce qu'il énonçait. Je trouve qu'il avait un bilan vraiment bien, on est en train de le remarquer maintenant, même s'il a été très critiqué avec la crise qu'il a connue. Ouais, donc bien sûr, moi je me suis un petit peu engagé en politique et je dois quelque part à Nicolas Sarkozy. Ouais. Dès son arrivée, l'ancien président s'est offert un bain de foule afin de remercier ses fans. Peut-être parce que j'ai l'habitude de ne pas mettre les papiers. Il s'en est suivi une séance de dédicace de plusieurs heures.